Les gars, c'est Pouguy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Donc ce sera une vidéo KEM, donc là j'ai pas le gameplay sous les yeux car le commentary, je sais pas combien de temps il va durer, donc je verrai le gameplay par rapport au temps de commentary. Donc aujourd'hui on va parler de Titanfall. Donc Titanfall, donc ça va sortir le 14 mars prochain. Excusez-moi, un petit événement dans le monde de Call of Duty puisqu'il s'agira du premier jeu des anciens créateurs de code depuis leur départ retentissant d'Infinity Ward en 2010 et la fondation de leur nouveau studio Respawn Entertainment sous l'égide d'Electronic Arts. Donc ce sera même un double événement puisque Titanfall se positionne également en concurrence directe de Call of Duty. Donc ça sera un FPS multijoueur à grand spectacle, misant sur des affrontements rapides et nerveux. Titanfall se démarque principalement de Call of Duty de par son univers futuriste. Donc les gars, hein, c'est un peu de la lecture parce que c'est ce que j'ai trouvé sur un site. Donc une différence qui donnera notamment l'occasion aux joueurs de prendre le contrôle d'imposants robots de combat dans des environnements multijoueurs parsemés de mini-événements scriptés dans... censé rendre les batailles plus dynamiques. Donc de belles promesses et un jeu qui suscite forcément beaucoup de curiosité et d'attention. Donc assez pour réussir à faire tomber à faire de l'ombre plutôt à Call of Duty, bah impossible de l'infirmer ou de l'infirmer, excusez-moi, j'ai pas réussi à me recomprendre. Enfin bref, pour le moment, mais voilà, déjà quelques pistes de réflexion. Donc je vais vous la redire complètement, sinon voilà. Donc impossible de l'affirmer ou de l'infirmer pour le moment, mais voilà déjà quelques pistes de réflexion. Donc alors, est-ce que Titanfall sera un sacré concurrent pour COD? Eh bien la réponse est oui, Titanfall sera un sacré concurrent pour Call of Duty. Le pedigree des développeurs, bien évidemment... si Titanfall, enfin là c'est le pedigree des développeurs, hein, bien évidemment si Titanfall réussit à mettre à mal l'hégémonie de Call of Duty, ce sera avant tout grâce au talent de ses développeurs, créateurs de Call of Duty. Les développeurs de chez Respawn ont un sacré pedigree et s'y connaissent parfaitement en matière de FPS multijoueur. Donc ajoutez cela le soutien financier d'Electronic Arts qui a donné une carte blanche au studio et vous obtenez une équipe rodée qui a eu tout le temps nécessaire et tout le loisir de faire le jeu dont elle a toujours rêvé. Donc tous les ingrédients sont réunis de talentueux développeurs, du temps, de l'argent et un esprit de revanche exacerbé. Les développeurs se savent très attendus et ont certainement été plus rigoureux que jamais pour livrer le jeu parfait. Donc là c'est un nouveau petit truc. Donc un jeu déjà multi-récompensé. Partout où il est passé, Titanfall a été acclamé à l'unanimité. Donc Titanfall, dès sa présentation officielle lors du dernier salon de l'E3, le jeu a établi un record repartant avec les 6 récompenses majeures de l'événement. Meilleur jeu du salon, meilleur jeu original, meilleur jeu console, meilleur jeu PC, meilleur jeu d'action et meilleur jeu multijoueur. Donc à mon avis les gars, ça va être du lourd. Donc en tout, Titanfall ramènera de Los Angeles plus de 60 récompenses diverses remises par les principaux acteurs de la presse vidéo ludique. Donc les gars, 60... c'est énorme, ça reste énorme. Donc il en sera de même quelques semaines plus tard lors de la Gamecom. Une entrée en matière plus que réussie, multi-récompensé, Titanfall est déjà vu comme le premier vrai titre next-gen. Donc le timing parfait, qu'est-ce que c'est? Bah partout... excusez-moi, j'allais me répéter. Donc, qu'est-ce que le timing parfait pour Titanfall? Eh bien, tout simplement, Titanfall sort en mars. Donc, une période creuse dans l'industrie du jeu vidéo qui mise généralement beaucoup sur les fêtes de fin d'année. Titanfall n'aura ainsi quasiment aucune concurrence, et encore moins celle de gros FPS multijoueurs comme Call of Duty ou bien encore Battlefield. Donc, le moment idéal, en quelque sorte, pour asseoir sa domination et grappiller des parts de marché en toute tranquillité. Donc Respawn évite en plus la présentation officielle du prochain opus de Call of Duty qui devrait avoir lieu fin avril début mai, donc c'est un boulevard les gars, hein, franchement. Je vais vous mettre le graphique qui va représenter le total des précommandes de Call of Duty Ghost et de Titanfall aux USA à 8 semaines de leur sortie.
Donc, est-ce que tu t'enfoles pour écarter COD? Eh bien non, tu t'enfoles n'aura pas les moyens d'écarter Call of. La nouvelle licence, il y aura tout à prouver. C'est le lot de toutes les nouvelles licences, trouver son public et se faire un nom. Respawn Entertainment a beau regrouper la fine fleur des développeurs de FPS multijoueurs, Titanfall devra quand même se faire un nom avant d'attirer les foules comme Call of Duty en son temps. Il faudra aussi qu'Electronic Arts mette le paquet en termes de com et que le bouche à oreille soit diablement efficace pour que le jeu puisse espérer prendre des parts de marché à la licence d'Activision. Force est de constater que pour l'instant, même s'il est plébiscité, Titanfall ne fait pas la couverture de tous les magazines. Sur quelle console sera Titanfall? Eh bien, ils seront uniquement, eh bien, je dis bien uniquement sur Xbox et PC. Donc, il n'y aura pas sur PlayStation. Donc, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Donc, en choisissant de bouder les PlayStation, pardon, Titanfall se coupe déjà d'un important pourcentage de joueurs potentiels car il y a énormément de gamers sur PS3. Alors que Call of Duty réalise presque 50% de ses ventes sur PS3 et PS4, Titanfall devra se contenter d'un parc de consoles amoindri. Donc, Titanfall, pardon, un choix d'autant plus curieux que Respawn ne semble pas pressé de dévoiler la version Xbox 360 du titre. Depuis son annonce, Titanfall s'est fièrement affiché sur Xbox One, mais jamais sur sa grande sœur, à tel point que beaucoup s'interrogent sur les qualités et la fluidité du jeu et les générations actuelles. Donc c'est sûr que ça sera sur Xbox One, mais peut-être pas sur Xbox 360, on verra bien. Une attitude qui s'en ressent forcément dans les chiffres de précommande de Titanfall, si les versions Xbox One réalisent un excellent score, leur précommande Xbox 360 se voit divisée par 4, bien loin dans le classement et même derrière la version PC, preuve d'une certaine prudence. Donc, et quand on sait que ce n'est pas Respawn mais un autre studio, oh là, Bluepoint Games, excusez-moi pour l'accent anglais, qui est en charge du portage Xbox 360 du titre, on ne peut que se poser des questions sur la légitimité d'une telle version pour le moment bien cachée. Alors, il y a des départs et des questions pour Titanfall. Donc, si Respawn est né de la révolte des développeurs de Call of Duty, l'expérience Titanfall n'a pas non plus été de tout repos. Ainsi, le studio a notamment enregistré en pleine production les départs de Francesco Gigliotti, Lead Software Engineer, alors je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, et de Tom Alderman, Lead Game Designer. Donc lui, ça devait être un designer de Call of Duty, et Francesco Gigliotti, ça devait être un ingénieur ou un truc comme ça, je sais pas du tout. Donc c'est deux des principaux acteurs du succès de Call of Duty qui sont partis. Donc je pense qu'ils vont retrouver rapidement deux. Enfin, on verra bien. Encore plus étonnant, le départ de Jason West. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Donc le comparse de Vince Zampella, cofondateur de Respawn Entertainment et investigateur de la révolte chez Infinity Ward, a lui aussi quitté le navire au beau milieu du développement. Les raisons, divergence d'opinion avec son vieux copain Zampella, les deux hommes étaient entrés en conflit. Donc on a vu mieux en termes de cohésion d'équipe, on s'accordera tout pour dire que Titanfall a d'indéniables qualités et qui réussira sans trop de peine à trouver son public, mais il est évident encore trop tôt pour savoir s'il parviendra à entamer la popularité de Call of Duty. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Ceci dit, nous ne sommes pas là pour convertir qui que ce soit ou démontrer que Titanfall n'est pas un bon jeu. À chacun de faire son opinion sur Titanfall, donc c'est un peu comme tous les Call of, hein, chacun se fait son avis personnel. Donc l'histoire de Respawn et de Titanfall est incontestablement liée à celle de Call of Duty, on ne peut pas le nier, et la sortie de Titanfall reste, quoi qu'il en soit, un événement particulier pour tous ceux qui s'intéressent de près à Call of Duty. Donc enfin, c'est aussi à travers la concurrence qu'on constate les faiblesses de Call of Duty. Il est toujours intéressant d'analyser les forces et les enjeux des titres qui s'opposent comme des alternatives. Donc c'est inutile de se mettre des œillères. On peut être fan sans être aveugle. C'était le mot de la fin pour ce petit sujet.
Donc les gars, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un abonnez-vous si c'est pas fait. Faites tourner, partagez. N'hésitez pas à me dire ce qu'il faut corriger dans le commentaire. C'était Pouggy. Ciao tout le monde.